Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a commencé. Cool, yeah. Ah, nous allons mal dire ça. Nous allons mal parler de notre temps. En tout cas, donc là, on est plus que toi, hein, pour capable d'exposer, pour porter, pour dire ça, on dit à côté, pour peuple à carré, côté de sortir, côté de noyer, côté de balakou. Merci président. M'a salué pour les dames, m'a salué pour le ministre Anguilla, m'a salué tout ministre qui là, secrétaire général, directeur de cabinet, collègue DG IDH, ministre tutelle, ministre BTC, Jean-Joa Seyus. Et c'est avec plaisir que je vais gagner pour me présenter et pour faire état des lieux de qui côté nous y est avec le programme rapidement. On a demandé pour peser play là pour capable. Merci. Rapidement, nous allons commencer avec vous. Rapidement, nous allons commencer avec la présentation. Donc, nous sommes capables, nous allons parler aujourd'hui d'un plan que nous gagnons pour nous sortir du pays à la fin de mois. Dans pile de déjà, le président parle de nous, nous ne parlons pas de nous. Mais ma brave tout le monde, nous étions extrêmement choqués dans nos conférences dans les Caraïbes. Et puis nous avons vu qu'il y a plusieurs des statistiques qui viennent dans les Caraïbes. Et une statistique qui était comme haïtien de mal à l'aise, c'est que l'intervenant dit comme ça que un gros problème dans les Caraïbes. Parce qu'il y a 9 millions de monde dans les Caraïbes qui ne peuvent pas courant. Et il n'y a pas de qui est pour les résoudre. Parce qu'il y a 7 millions là-dedans, c'est en Haïti à vivre. Parce qu'il n'y a pas de progrès qui fait pendant 20 dernières années en termes de quantité de monde qui est courant. Nous ne pouvons pas dire que plus de monde qui est courant, mais pas oublier tout pendant que le monde qui est courant, il y a des gens qui fait. L'homme en ratio qui fait avec la quantité de courant qui est disponible, il y a un rapport ça et pas jamais bouger. Donc, il y a des gens qui ne pas de gens. Caraïbe la carise pour les clients, si nous-mêmes haïtiens, nous ne pas les vivre. C'est ça que fait tout de suite. L'État haïtien a défini une stratégie en trois parties que nous allons pour nous détailler pour vous. Mais une bagaille qui est belle dans trois parties, ça, nous allons mettre un pile en face sur lui. Ce sont des bagailles, les micro-réseaux, qui sont des réseaux tout petits, comparativement à gros ton réseau qui gagne en dedans pour le reste. Et micro réseau ça, pour voir que quand on parle de la nous avons un programme pour installer dans 41 communes dans le pays. En nous regardant rapidement quelques statistiques, dans les affaires courantes dans le pays d'Haïti, sur 100 Haïtiens qui vivent, c'est 30 personnes seulement qui ont accès à courant. Donc, les mêmes mots dans le dictionnaire accès à courant, ils utilisent pour un pays, ils ne peuvent même pas connaître si ils sont capables d'utiliser pour le pays d'Haïti. Parce que là, nous disons accès, nous avons parlé d'accès 24 sur 24. Moi, je suis toujours pas de problème. Même pas comment faire pour ne pas vivre des sciences de l'université qui est là. Chaque temps, je dis 24 sur 24, il a gardé l'autre. C'est comme si, pour 24 sur 24 là, ce n'est pas qui pas possible et pour le pays d'Haïti. Donc, ça, c'est clair, il y a 30 personnes qui ont accès à courant, bien dit accès à courant, mais
qui pour accès 24/24. Moi, j'étais dans l'université seulement, j'ai fait une enquête PAM qui devant moi que j'ai une zone c'est trois fois au courant pendant l'année. C'est l'effet champêtre. C'est si vous avez une chance, le président a venu, et puis c'est pendant décembre. Et dans 4% de palais, nous avons compté là-dedans. Donc si nous avons parlé de zone qui a accès tout le monde, nous avons hésité, nous avons chiffre ça, je veux dire. L'autre chiffre que nous avons encore, ce chiffre qui est de 5 2020, qui fait passer là, juste ça, toute quantité de mégawatts courant qui est installé dans la région métropolitaine, c'était 224 mégawatts. Ça veut dire ni monter cap marché, ni monter pas marché. Sur 249 MW là, on va nous faire seulement 49 MW. Donc ça veut dire que ça, l'autre, que ce soit l'autre en panne, l'autre qui a un problème, il n'y a pas qu'à marcher. L'autre chiffre qui vous retenez attention nous encore, c'est que ces quantités de courant nous baillent toute ville provinciale, ces quantités de courant nous mettons disponibles pour Port-au-Prince. Faut nous regarder toujours concentré dans Port-au-Prince, mes amis. Parce que dans Port-au-Prince, il y a 249 MW qui installés pour avoir un Port-au-Prince courant. Port-au-Prince seulement, elle dit Port-au-Prince, grande région métropolitaine. L'autre, toute ville qui était dans le pays, où est-ce que la région métropolitaine, c'est seulement 80 MW qui installés pour alimenter tout le pays. Donc déjà, on voit que c'est un gros choix qui fait pour une distribution inégale dans nos affaires courantes dans le pays. Et c'est ça que nous-mêmes, nous avons une belle stratégie que nous avons les micro-réseaux, nous pensons qu'il y a des combats de problèmes. Eh bien, par rapport à tout défi ça ou bien, nous disons, eh bien, via toujours des défis, est-ce que nous sommes capables de changer, transformer, faire des défis ça ou, trouver l'opportunité. C'est dans ce sens-là, nous disons que nous lançons le programme réforme énergie. Premier gros bagage qui est fait dans la réforme ça, c'était, nous venons avec un nouveau cadre juridique à réglementaire. Depuis janvier 2016, l'État prend une décision pour venir avec trois décrets SAO qui vont changer le secteur énergie à net. L'un des décrets SAO créé une institution, côté mon privilège, mon honneur pour me diriger comme premier directeur général, qui est ANACE. Je profite de dire deux mots sur lui, parce que ce n'est pas grand monde qui connaît qui vole ANACE. Mission nous, les doubles. Loi qui crée ANACE dit que la première mission va nous, et une mission pour nous développer et puis pour nous faire promotion. Il y a un pilot pays côté de la régulateur, mission ça. Il y a une seule mission pour le réguler. Je rappelle que le décret ça va ANACE pour faire promotion, pour développer le secteur énergie dans le pays. Deuxième mission, c'est explorer, développer et puis réguler le secteur, toute forme d'énergie, électricité, gaz, courant. Quand je mets à l'eau, quand je mets à soleil, quand je mets à vent, etc. Moi, je vais aller nous mettre de stratégie pour nous capables de lever le gros défi ça qui est en d'un pays. Stratégie 1, il y a trois parties là-dedans. Première partie, nous dit que nous allons renforcer le réseau Port-au-Prince. Donc, contrairement à ça, nous avons dit que nous ne sommes pas focus sur Port-au-Prince. Une première axe, nous avons une première partie de stratégie, c'est garder comment nous allons renforcer le réseau Port-au-Prince. Deuxièmement, c'est garder comment nous allons moderniser le réseau régional. Chaque fois que nous disons réseau régional, ça vous dit que c'est tout réseau qui part de Port-au-Prince. Je parle de par exemple réseau Jérémie, réseau au Cap-là, réseau Gonaïve-là, etc. Maintenant, on nous parle de réseau métropolitain. Les zones métropolitaines n'a pas l'air, ils couvrent 15 communes, nous avons là, sont si vous avez de Mori, basé à Kaye, Cabaret, Delma, Cité Soleil, Tabac, vous n'arrivez pas Mori. Maintenant, tout ça n'a fait pour production pour les réseaux Port-au-Prince. Il faut tout le monde bien comprendre l'approche que nous faisons pour les zones métropolitaines. Les zones métropolitaines, nous avons phase qui sont phases extrêmement urgentes, parce que nous avons dit tout à l'heure, pour demande pour Port-au-Prince qui oscille autour de 500 MW, c'est seulement 49 MW qui est disponible. Nous voyons hier soir en moyenne, nous étions à 67 MW. Donc nous pouvons arriver à 70 MW pour une demande de 500 MW. Donc tout le monde, mes amis, bagaille grave en pile. Pour nous rapprocher question,
nous dit que on nous va débrouiller si nous mettons 130 MW tout de suite. Donc tout de suite là, il ne faut pas. Son mot pour avoir plus de précaution. Je dis tout de suite, je parle que tout est si son pays a Jovolio, Anassé Jovolpal, EDH Jovolpal, nous avons CNMP qui vient pour Jovolpal, parce qu'il peut valider, c'est qu'il peut avoir une objection pour contrat. Et puis contrat, ça va la cheminer dans le coup supérieur des comptes. Conseil des commissions dans le pays en tout, il y a un pal pour toute institution capable de finaliser le contrat. Les contrats sont finalisés, eh bien, il y a 100 jours pour commencer à avoir un pack contrat. Et nous avons 130 MW qui ont installé dans Port-au-Prince. Nous avons 80 MW dans le contrat qui a installé 80 varieux et 50 avons essayé de taper sous les pélicans. Comme jour, dans le contrat, ça a été intéressant, c'était prix courant. Faut que nous comprenions que dans le pays, c'est la première fois que l'État arrive en négociation, à négocier prix courant, quand on aller plus bas que 12 centimes avec un fuel que tout le monde habite à utiliser, que les mazout dans le pays. Ça c'est pour urgence quand on va faire contrat achat énergie. L'État pas fait contrat, l'État pas arrêté dans la logique contrat achat énergie seulement. L'État dit tout. Il faut le grand monde tête, il faut le central, pour les refaire figuer, pour les faire marcher, EDH. C'est dans ce sens-là, depuis plus de 6 mois, nous travaillons pour ajouter 120 MW dans la centrale Carrefour. L'un de 120 MW, nous parlons de deux phases là-dedans. La première phase, le président Gantan Fontri, tout le monde est au courant de lui. La première phase qui finit, qui n'en met CNMP. Il a fait régulateur de CNMP, qui est le coup de compte. Et le régulateur a demandé coup de compte pour faire diligence pour lui, parce que c'est pas oublié pour même rôle, c'est rassurer que le courant arrivé, la caille pour nous. Donc, pressé, pour nous connaître que l'équipe qui travaille du sous lui, pour regarder pour nous, comment nous avons lagué le contrat pour nous. Parce qu'une fois que nous laguons, le contrat même, nous avons 17 semaines automatiquement pour nous gagner une solution claire. Mais ça veut dire que ça, après 17 semaines, nous supposons juste les autres boutons, boum, et puis nous sommes démarré. Donc si nous parlé début mois de décembre avec hypothèse semaine ça comme de quoi travailler très vite sur lui, on pense que semaine ça si quoi arriver et la guerre approuvée et contrat ça, donc son contrat qui prend opérationnel à partir début mois de décembre. Nous parlons seulement de la production parce que nous toujours étudions ça dans l'université, nous pas tellement de problèmes de production dans le pays. Puis gros problème nous dans le pays sont problèmes de transport. Parce que quand il pense que c'est vine avec courant, oui, ou vine avec courant, vine avec bateau, vine avec qui central. Comment on va faire arriver la caou? Pourquoi arriver la caou? Eh bien, l'homme qui me produit, ce n'est pas tout le temps côté me produit, c'est l'âme qui a baillé courant. Donc, comme côté me produit, ce n'est pas la demande d'un cahier, eh bien, je vais transporter. C'est ça que fait le pays a fait un choix pour libérer, pour faire un prêt avec Taïwan. En fait, je vais profiter de ça et dans micro, parce que je pense que c'est une opportunité de payer avant de me dire ça. Il y a une petite déception depuis mon poste là. Moi, c'est ça. Parce que l'un d'après réfléchi moi-même et avec plein de Taïwan, je me dis bon Dieu, le pays d'Haïti sauvé. Parce que nous n'avons pas de problème de production, nous avons un problème de réseau. L'un des contrats devant le Parlement, je me dis, et ça fait tout le monde est vraiment chaud dans la radio. Parce que je suis tellement ouvert là. Je pense que Taïwan, ce n'est pas le parlementaire. Puisque le parlementaire, c'est haïtien. C'est voter et tout. Peut-être pas me dire ça, qui était le bien pour parler de courant qui va la caille. Et c'est logique, tout le monde a gouvernement. Ça dit moi-même, si moi-même, moi c'est député, moi c'est député de la région, et je travaille avec mon plan pour mettre, pour alimenter 51 communes, je ne peux jamais penser moi-même que le monde pas voter le programme pour me couvrir la caille. Bon, ça vraiment, c'est seul peut-être si ça me décapable de dire. Et que moi-même, par rapport à tout le monde, je me devais déjà, on m'a pensé, on m'a dit bon, t'es naïf, ou la religion voulait. Mais sauf pour raisonnement élémentaire, je ne sais pas si moi-même, je vais voter pour mettre la caille. En réalité, c'est que tout le monde déclare, le contrat a fait plusieurs mois dans le Parlement, je vais voter. Et moi, c'est une pire déception. Moi, je ne pense pas ça, parce que je ne vais pas trouver ça. Je ne vais pas trouver ça. Maintenant, nous avons une capacité, nous avons démarré avec Taïwan. Nous avons besoin de clair, parce que moi, j'ai plus de confusion dans la presse. Nous avons besoin de clair sur Taïwan. Taïwan a deux parties là-dedans. On a préféré réseau métropolitain. L'homme dit a préféré réseau, ça veut dire que l'homme de production, production n'a pas arrivé quand même. Et c'est comme si vous avez une pile.
et puis me décider une route deux fois. Donc par bon jour, le café machine de passer, puis arriver d'un point à l'autre. M'obligé à créer autre route, mais dans le pire, où tout machine de passer, même pas la route. Production, il faut me créer une route pour pouvoir passer. Donc ça aurait comme créer un réseau de transport. C'est ça que Taïwan a fondamental, c'est ça. Parce que nous allons faire 60 km ligne dans le pays. Hein? Et bonne nouvelle, c'est que nous commençons déjà. Évidemment, tout le monde connaît. Si on là, nous commençons. Et nous nous. Est-ce que nous faisons dire ça? Ou bien nous ne pas dire ça? Donc, le président peut-être a bien pour le répondre, peut-être pour commenter sur ça. Mais c'est même nous commençons, parce que c'est pas bon. Nous faisons, nous sommes dans le faire, nous venons faire le site là. Nous à la carrière, nous imaginer le site nous. Moi, je vais visite nous faire. Sous central, ce Christophe, ma bonté, nous n'entendons pas pour le tweet. Pourquoi vous n'avez pas le tweet là? Donc, c'est réalité à ça. Et nous allons 60 km. Et nous sommes fiers parce que, imaginez, nous sommes à l'université, on a enseigné que, bon, nous avons des étudiants, on peut faire une ligne, on prend une tuile pour 300 MW. Et puis, on regarde, ouais, on vient juste faire le pays. Nous allons 60 km, niveau de tension, qu'a fait, nous allons réparer 9 sous-stations. Et ça, me besoin tout une clé sur ça. Parce que tout le monde nous a plein, on dit, oh, on va les couler. Et bien, nous ne voyons pas pour ça parce que, ça m'a les sous-stations, c'est les, voilà, avec courant, haute tension, nous pas alimenter en haute tension. Sinon, quoi, là, il y a de la haute tension là-bas. Nous sommes droits, nous sommes là, car les fèvres brisent haute tension. C'est même pas, la haute tension arrive là-bas, c'est tensionné. D'ailleurs, au courant, qui sont en 10 000 ampères, 4 000, nous allumons, ils sont en courant 40, presque 400 ampères. Ils sont en courant qui dépasse 200 ampères. Donc, 0,70 000 ampères, oui, 4 000. Donc, je vais donc, lorsqu'il nous transporte, nous transporte les courants tension, et bien, nous avons 10 à la région de Boulogne. Il y a 9 qui va de bon. Ça veut dire, transporter là dans trop petit. Même si nous va courant, nous ne pouvons pas tirer la carte. Tout est sorti, ça va tirer. Et ça fait nous dire que Taïwan va remplacer 9 sous-stations. Et puis, nous avons compris que je vais vous donner la besoin de 4 nouvelles sous-stations pour nous capables d'alimenter les régions de Boulogne. Donc, il n'y a pas de Taïwan, si nous voulons. Taïwan n'a pas de production là-dedans. Taïwan est seulement réseau de transport avec réseau de distribution. Maintenant, pour réseau régional même, nous allons aller un peu vite. Pour réseau régional, moi c'est fini avec Port-au-Prince, comment nous allons aller réseau régional. Je parle de réseau régional, je parle de réseau qui part réseau Port-au-Prince. Tout le monde est au ministère de là, nous avons Okaï, nous avons réseau Nord-Est, réseau Nord, réseau Jérémy, réseau Sud-Est, Latimonique et Port-de-Paix. Si nous prenons exemple, Cap-Haïtien par exemple, Cap-Haïtien a travaillé rapidement là pour nous mettre une centrale urgence de capacité de 36 MW. Donc ça, c'est ça tout le monde entendait, nous parler de centrale Cap-Sous Bleu. Il va dire que nous avons un bateau sur l'eau. Et puis, nous avons un bateau en cours, nous avons réfléchi tout. Nous déjà le processus d'appel d'offre en cours pour nous mettre 30 MW. Et l'idée qui est intéressante, le gouvernement, ça a fait, c'est que nous créons ça, nous en puissance de base. Et puis, comme le soleil est disponible pendant la journée, et nous avons produit à bon marché, nous allons coupler l'énergie thermique que nous avons produit avec l'énergie solaire là, qui permet de nous gagner un bon coup, kilowattheure. Et pour nous, non, capteur de l'eau là, eh bien, le réseau Sabralien vous couvrir 8 communes, c'est Mino, Pomago, Limbé, Balimbé, Akil du Nord, Plaine du Nord et Grand Rivière du Nord. Nous faisons passer Grand Rivière du Nord hier, nous connaissons Grand Pilon qui a demandé ingénieur. Pour ça ne pas tout connecter Grand Rivière du Nord avec Baron pour faire au fond gros micro réseau. On est que nous retirer nos cas. Pour qui ça? Parce que même Grand Rivière du Nord, il y a longtemps, bah, j'aime moins courant. Comme l'île est longue, il y a un bout de ligne, chaque temps, bah, chaque temps. Et au cap de production, au cap Kembel, nous avons l'hiver du Nord, pas venir. L'autre solution encore, nous porter, c'est central pour Port-au-Prince. Nous avons réfléchi à moyen terme. Sur central, qui a une capacité de 300 MW, évidemment. Le refroidissement fait sous la mer, ça n'a pas gardé, n'a pas parlé de ça en détail dans notre émission. Son terminal gazier n'a fait pour nous gérer ça. Et puis, pour l'autre programme qui est intéressant en pile, qui c'est deuxième, qui fait partie de troisième axe programme, non? Qui c'est Kaipa Mkleria. Et moi-même, nous avons eu un pile d'arrêt qui démarque dans Kaipa Mkleria, ma prophétie dit ça. Et une plus gros et parole que le président qui démarque, je ne pas comprendre ça, je ne peux pas comprendre. Le président dit, ingénieur, une fois, moi je suis là, pour là, moi je suis croisé pour moi, avec coque de qualité.
et puis pour la lui même et puis pour la couver aux yeux. Mon cher, mon pas de courant, mon cou va dans les yeux ça. Et puis mon ami, mon gars acheter baleine. Mon cher, ouais courant mais courant ou bon moi les malais quand ils ont pas de balle mal. Si que ben ça pas dit que puis paysan dit ça. Mon cher, ouais sur bon là. Tout si boule, tout corps ouais pour garer, tout après la net pour les yeux ça. Bah on qui nous côté moi la veille. Donc c'était quand même un mot qui était marqué en pile pour être ouais qui succès programme. Pas me clairer ça en réalité il était gagné et puis l'autre là c'est rénovation ligue on pensait que nous allons retourner sur ça tout nous connaît que nous pas parler de ça mais ligue ligue là rénové c'est première fois en Haïti gagne 9 km ligne haute tension qui passait en bas une initiative que moi en pile mais en pile parce que moi personnellement c'est une initiative qui concernait micro réseau je pense ça c'est quand même qui grave en pile nous dans presse fait 249 MW pour et puis pour tout pays il fait 80 MW. Et bien stratégiquement, ça vient pour nous là, ça va le finir. Parce que 51 villes, nous avons travaillé sur eux depuis le commencement du mandat président. Il y a 10 villes qui sont censées OK. Les mieux OK, c'est soit construit ou bien construction va le démarrer. Je parle par exemple pour Kaboti. Je parle par exemple pour Valière. Je parle par exemple pour Montorganisé. Mon capitaine de Mlagendoa, je connais le grand pile de mon live là. Je dois confirmer effectivement que nous croyons au Kaboti, Valière. Nous organisé à conçu tout pour encore pour nous région tout pour longtemps de faire tweet donc à conçu pas pour faire tweet pour nous petit ralenti sur tweet là tweet de ce sur terrain belle OK tweet à sur terrain la passé ou après sur la dondon réseau avant de faire déjà nous prendre décision pour nous commencer avec génération sur mon aller après réseau en ce droit fait après réseau dame Marie a fait après réseau présence du sud a construit ou après réseau Valérie Jacmel à construire pendant la voilà. Ou après, il y a 7 micro-réseaux. Tout est fait pour nous net et nous entreprenons sur eux. On a parlé de, par exemple, on a parlé de Pilat, on a parlé de Présence du Sud, Présence du Nord, on a parlé de Boy, on a parlé de Ansapit, on a parlé de, l'île de la Renave, avec deux communes, donc toutes les micro-réseaux, ça, on construit déjà. L'on retire de 41, mon programme qui vise 41 micro-réseaux, et c'est avec fierté que moi, j'étais très content pour me donner dévouement pour me gagner, parce que moi, l'équipe l'a rentré, fait rentrer là, il y a deux stades, deux heures, l'équipe l'a rentré pour mener dans 40 communes, et m'a profité de remercier la population qui te comprenne ça. Il y a plus de monde qui était privé, il a décidé de mettre des privés à disponible pour me construire mes micro-réseaux, parce que les micro-réseaux sont solution locale qui permet de gagner courant. Là, je pense que tout le monde vit, je ne sais pas si télévision Kabaïli, eh bien c'est image réelle, parce que chaque temps, et on va faire construction, je vais vous dire, tellement bien monde qui pensait qu'il y a fait comment ça va être possible, ça va être possible. Même le vin avec une image, je pense que ça me fait tweet on le. Et Valé Jacmel, les gars disent, ah, je suis content de dire l'image, ça là, je te prends. C'est comme si mettre un poteau courant dans nos villes, ça va être possible. C'est juste en fait toute négativité par rapport à courant. Il m'a regardé là, c'est image effectivement. Construction qui a fait Kounia là comme réseau de distribution non Valière Kaboti avec mon organisé. Évidemment, bon sujet qui est important en ville. Nous parlons, nous disons que courant est disponible. Moi, je ne sais pas écrit là qui sait. Je dis, mais si courant est venu, mais si courant est acheté. L'État là seulement pour garantir que courant est disponible. C'est disponibilité à la garantie. C'est accès à la garantie. On a su de gagner ou juste même ou payer pour lui. Et une façon qui est plus belle pour pas payer pour la technologie, c'est que vous avez un courant prépayé ou payer pour courant. Vous comprenez que ce soit c'est un tweet sur lui. Moi, dis-moi ça. Ah, déjà, je parle de courant pour me payer, il faut être disponible. Parce que si je vais payer EDH déjà, c'est comme si je vais baleine, je vais payer EDH. Je ne vais pas cacher baleine encore. C'est ça qu'il faut avoir nous-mêmes, nous tenons. C'est une valeur de disponibilité. En production pour nous venir avec belles bagailles que les compteurs PPI. Compteurs PPI, tout le monde a compris nous. Tout le monde a téléphone, nous avons compris déjà. Pourquoi jamais nous avons fait appel, nous avons téléphoné, nous avons déjà passé. D'ailleurs, nous, tellement intelligents, nous connaissons l'eau. Il est venu jouer l'eau. Malgré une carte. Ok, donc c'est une logique courante. Ça veut dire, ou payez le courant, et puis vous-même, et puis vous avez contrôlé la carte. Et puis chaque fois que vous regardez, oui, moi je vous. Mais 40 gouttes. Et nous après, non? À chaque fois que nous avons mis en bas tout le monde qui parle, nous venons déjà dans le pays. Si nous allons, nous inaugurons par exemple en décembre Tibiron, soit Tibiron, en réalité, Tibiron,
la première mesure, c'est que le groupe pop, mon nom machine a fini, il dit, et machine, il mettait 100 groupes pop, non. Il met 100 groupes pop, laissez le groupe là fini, il mettait, et c'est réalité Sibio, c'est réalité les Anglais, nous avons croté au Chabat rapidement, sur le monde syndicat, sur la réalité, sur les bois de police, je rappelle, donc des communes dans le pays qui font ça déjà. Donc, je pense que tout le monde comprend ça. Donc, je pense que je vais quitter place avec si nous avons des questions, mais je vais me rappeler en pile. Pour gagner le réseau, je vais demander tout le monde, toute une collaboration. Je connais les communautés qui sont fâchées parfois, parce que vous avez des têtes qui ont approprié pour nous mettre le réseau, qui battait l'État. Donc, je demande tout le monde pour collaborer avec nous, pour nous garder comment nous sommes capables d'implanter le micro réseau dans le pays. Quand on a des questions, nous devons faire une présentation générale pour Maïkan Dio. Évidemment, moi je suis ouvert pour me prendre des questions, tout le monde qui va. Merci tout le monde. Merci, président. Merci. Donc là, parce que le peuple a entendu, moi-même, comme je dis, les affaires courantes, c'est même un slogan du ministère de Tourisme, les affaires courantes, c'est les affaires tout le monde. Ça veut dire, je dis, il y a un monde qui m'a dit les affaires courantes, parce que si ce n'est pas si courant, nous n'avons pas un courant, nous n'avons pas de tourisme, nous n'avons pas un courant, nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas un courant, nous n'avons pas de développement tout court, nous n'avons pas de éducation, de santé, d'environnement. C'est courant, c'est l'équipe de base là. Je dis à Chay qui sous l'équipe ça là, ministre de la République qui coiffe deux messieurs ça là, nouveau DG électricité d'État d'Haïti, son charge, tête chargée, on va même quelques si pour pas même temps mais demander Daniel est-ce que sous affaires nous avons deux intervenants. Eh bien, on intervenir rapide sous affaires. Très bien. Nous allons appeler rapidement Ward Guerrier qui sont entrepreneurs. On va dire Miko à la Ward, Miko qui soupira, Ward Guerrier. Qui sont entrepreneurs qui sont si capaïtiens. Très bien. Yes. Bonsoir, président et Jovenel Moïse. Bonsoir, et première dame, Maxime Moïse. Et bonsoir, et premier ministre. Et bonsoir à tous les ministres, et directeurs, et secrétaires d'État. Et bonsoir à toutes. Invités et compatriotes, confrères, consoeurs et leaders communautaires. Et question que nous avons concernant l'énergie, surtout que ma vie est au Cap et ma fait business au Cap. Donc, nous sommes en train de dire qu'il y a lui-même parlé de 34 mégawatts et courant. 36, ok. Il y a 36 mégawatts courant qui gagnent pour installer au Cap. Donc, il y a 7 jours, on a gagné ça que nous relais fête au Cap, côté que nous-mêmes nous pas célébrer 350 ans ville au Cap et puis 200 ans et l'an mort et roi Henri Christophe qui c'est un potomitant, un héros qui pas jamais mourir. Donc, fête ça, nous sommes passés environ 6 semaines et 9 mois que nous connaissons le président ensemble avec tout le staff lui, fait un peu de diligence pour que nous des pièces d'échange et qui n'est pas disponible, arrivé disponible semaine ça et que nous avons un peu de photo côté que les techniciens qui travaillent à l'arrache-pied pour que nous capables de mettre notre ça sous pied. Donc, le tarif est directeur et avec le ministre qui garantit qu'ils sont capables de bailler nous nos cap. Pas seulement pour 7 jours qu'on vient là-haut, mais pour que nous avons un courant qui est stable, côté que jeunes entrepreneurs en courant même, jeunes entrepreneurs qui fonctionnent dans la question de production, parce que l'énergie est un bagage qui est idéal, parce que tout le monde connaît déjà, et blackout symbolise la misère, blackout symbolise ça qui est une force maléfique. Blackout, symboliser et pauvreté. Donc, il m'apprécie l'effort président lui-même a fait, la question énergétique de l'IA, pour que nous soyons capables de gagner courant, ça que nous le 24 sur 24 là. Mais, dans nos garanties, surtout à la population au Cap, jeunes, dans plus jeunes dans le Cap, qui lance la question production. Mais, courant lui-même, c'est un facteur et transversal, sans courant que nous-mêmes ne pouvons pas faire rien.
Donc, deux trois bagages que sont mentionnés, qui c'est que nous focus sur l'énergie avec gaz, l'énergie avec solaire, que nous connaissons que il y a des marches qu'a fait d'après dans la police pour qu'on installe environ 20 mégawatts dans le solaire. Donc, que vous mentionnez encore l'énergie vent. Donc, moi-même, dans le secteur déchets au Cap. Et le président, il va rappeler parce que nous rencontrons déjà. Côté que FATRA, lui-même, c'est un facteur qui bloque l'économie pays. En plus, nous avons entré dans le pays d'Haïti, mais à cause de FATRA, nous préférons aller soit la République dominicaine ou bien nous préférons aller aux États-Unis, mais côté qui nous est. Donc, moi-même, mon collègue de ce côté que nous prenons de chez AO, nous transformons en compost. Et nous prenons de chez AO, nous prenons de couches mélangées. Et puis par la suite, avec des chèques aux choses à eux, nous transformer ça que nous voulons, gaz méthane. Côté gaz ça, qui est capable de faire manger ensemble à eux, côté qui est capable de produire l'électricité. Nous avons un défi pour 3 ans à venir, pour que nous arrivions à produire ça que nous voulons, l'électricité à partir des déchets et des cochons. Donc ce gros défi, je connais que je vais réaliser ça, même les 3 ans lui-même, et nous avons en pile d'énergie, et nous croyons et nous certain que ça lui-même l'a réalisé. Donc, direct, maintenant, qui garantit qu'on a gagné nos cap pour courant ça lui-même, les câbles étaient stables, pour nous qui, jeunes entrepreneurs, ça lui-même, ils sont capables toujours d'avoir accès, soit pour du pays, pour du pays, capable d'exporter et dans les pays. Merci. Je vais résumer. Rien à ministre au cap. Eh bien, bam, bam, ministre. Allô. Micro-ministre, madame. Bonjour. Allô. Et bonsoir, Excellence. Bonsoir, madame. Bonsoir, PM. Bonsoir, collègue ministre. Bonsoir, tous les DG. Et bonsoir, leader communautaire. Merci Excellence. Comme de pré courant ça, nous sommes cherchés un ballon bien avec un petit président, c'est pas un mess à faire. Et quand nous allons chercher pour nous bailler des géants, nous ne pas entendre quitter le milieu encore. Je dis, président, merci. Je dis, ministre, nous avec vous, dégagez les autres problèmes. Abdi PM, merci. Est-ce qu'il dit non? Nous croyons avancer. Donc, nous cherchons que l'on va en l'air, mon compte m'est avoué. Vous avez la vie de la ministre éclair. Clé courant, là, a été clété. Nous avons déclété. Nous prenons, nous pouvons le bail des géants. Et nous commençons content. L'homme à l'autre jour. Tout le monde, même les deux oppositions, après le nom, pour dire merci finalement au bien courant. Nous connaissons, nous n'avons pas de jeu avec nous. Je ne peux pas déplacer le problème. Je ne peux pas prendre le cap pour le fêter avec le camarade Massoud Dimba, 350 ans depuis le fondé. Je ne peux pas déplacer, faire le bagage pour le cap. Abdi PM, merci. Nous tenons un conseil chez SPM. Il était 5 ans. Il était PM qui était dans le cap. Je dis, nous attendons. Nous voulons acheter un équipement dans le cap. Nous voulons le cap à venir. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.